be strong. Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui, toujours sur Dofus, pour la suite des quêtes, donc les quêtes d'Astrub. Donc là nous allons faire la quête Satombalo, il faut pas parler à la conseillère Archie. Hop, on suit son conseil et on va devoir découvrir la carte étant d'Astrub, qui se trouve juste ici. Donc on va pouvoir y aller. Désolé hein, pour tout ce temps sans vidéo, j'avais des petites choses à faire, j'étais pas mal pris, j'avais pas vraiment le temps d'en faire. Donc là on va essayer de repartir sur un rythme un peu plus stable, en fait un peu plus régulier. Donc voilà, on arrive à l'étang d'Astrub. On doit parler à Didier Jean en fait pour chercher l'origine du trouble. Hop. On demande ce qui ne va pas avec les mercenaires. Discuter avec le mercenaire. Donc le mercenaire agacé est ici. Demander quel souci avec les trois individus. Ils font comme si ça reprenait. Apparemment ils font un peu de bazar. Hop. On examine le plan. Tac. Et on retourne voir la conseillère Archie. Donc elle n'est pas très loin. Donc pareil, changement de format. Je vais faire que quelques vidéos. Je vais faire que des une vidéo par quête, donc on va être sur des vidéos qui vont être beaucoup plus courtes. Voilà, mais pour un meilleur une meilleure organisation, je pense que c'est plutôt pas mal. Donc continuer à ramasser tout ce qu'on voit. Tac, donc voilà. Je vais vous mettre aussi à l'écran ici. Vous allez avoir les voilà, parce que je m'étais reconnecté hein, courant de la. Voilà, ces derniers jours je m'étais reconnecté rapidement et j'avais vendu du coup tous les couteaux de chasse et les viandes intangibles. Donc je montrerai sûrement le métier, je monterai le métier chasseur. Voilà, certains métiers je ferai des vidéos aussi pour les monter, mais voilà, j'ai fait à peu près, il me semble, de mémoire. Je vais regarder ça rapidement. Si je fais ça, voilà, j'ai vendu pour 6165 MAS. Donc c'est plutôt pas mal, hein, sachant que là on est à 7000, donc c'est plutôt bien. Donc voilà, on parle à la conseillère, on explique le problème, hop, on obéit et on retourne voir Didier Jean, qui se trouve toujours à l'étang d'Astrub. Donc il n'y aura plus trop d'accélérer, de choses comme ça. On va vraiment être sur des vidéos qui vont faire, je pense, hein, 5-6 minutes. Hop, on va récolter toutes les orties, des choses comme ça. Hop. Et même le poisson, on va le prendre, ça va se vendre plutôt, ça se vend plutôt bien. C'est pas mal, lui. Alchimiste niveau 4. Tac, on a récolté un bougeon et c'est parti. Didier Jean, notez le détail et on va voir Teikabir qui se trouve à la taverne. Donc voilà, j'avais monté de niveau aussi d'un niveau parce que j'avais fait quelques combats contre des pioux. Juste comme ça, un ou deux combats que j'avais fait contre des pioux. Fouiller les poubelles aussi. Voilà, il y a souvent des. J'avais trouvé des. Dans une poubelle à la banque, des sachets. Lui est en train d'utiliser justement. Et il a un chapeau de l'aventurier, il a dû tout prendre. Mais voilà, fouiller les poubelles, j'avais trouvé tout plein de sachets de cendres éternelles, de choses comme ça en fait que j'ai pu mettre à vendre. Donc pareil, il n'y aura pas tout le suivi. Je ferai des vidéos sur les métiers, des choses comme ça. Voilà, mais elles sont triées par playlist et par succès. Donc du coup, une quête par vidéo. Donc voir Teikabir, on lui parle. Mettre la riche, poser convaincre le notaire. Note la description du serviteur et partir. Donc là, on doit chercher Camille Desmouleurs. Donc Camille Desmouleurs, excusez-moi. Elle se trouve en fait à côté de l'hôtel de vente des ressources en 4-17. Donc toujours pareil, hop, on va y aller. 4-17 et une poubelle ici. Non. Voilà, vous voyez, dans les poubelles, j'avais réussi à récolter quelques. Voilà, pas mal de choses. On a de l'eau à vendre. Avant de faire ça, ce qu'on va faire, on va regarder. Voilà, tout s'est vendu, hein, ce que j'avais à vendre.
Donc on va faire trier par quantité. Voilà, par exemple, j'ai 100 os à vendre. 100 os, c'est 4988 yamas. La viande par 10, 926. Même si j'en aurais beaucoup à farmer, je crois que les viandes, pour passer du 1 à 20, chasseur 1 à 20, il me semble, il en faut 525. Quelque chose comme ça. Donc faut un paquet de viande, quoi. Donc là, hop, je vais vendre par 10, 279. Ici, sur ça, 595, les 10. Voilà, le vol de manite, 644. Là, les graines comme ça, vaut mieux faire de l'huile de sésame avec les graines. Les pétales, 518. Hop. La peau de blop, 998. 788. Les plumes chimériques, 6138, les 10. Vous voyez, ça vaut le coup, hein, c'est ce que je vous disais. Hein. Sur les tofus, sur un carnam, voilà, ça fait vraiment beaucoup, beaucoup d'argent. Là, et si on le met, je vais garder ça, je vais faire trier par prix moyen. Donc celle-là, je vais la vendre à l'unité aussi. Les casques comme ça, c'est 321. On aura peut-être besoin plus tard. Je vais peut-être pas vendre tout, tout, tout. La part d'ici, 431. Tac, et voilà, donc là on a 20 000 camas à vendre à l'hôtel de vente grâce notamment à l'eau potable. Vous voyez, dès que vous croisez un puits, prenez de l'eau, l'essence, et voilà, on va voir, ça devrait se vendre, ça devrait se vendre assez rapidement. Camille Desmouleurs, elle est ici, juste là, elle se fait embêter par trois cras, voilà, deux yop et un cras. Hop, donc du coup, posez quelques questions et on va s'occuper des gredins. Des gredins, cras. Et c'est parti. Alors, là, bon, niveau 28, ça ne va pas trop poser de problème. Voilà. Bon, j'ai pas fait le chat, hein. Il n'y a rien à drop dessus. Voilà. Tac, et le cra. Et voilà, on a vaincu les trois gredins. On retourne voir Camille Desmouleurs. Demander comment ça retrouve. Et écoutez la suite. On va interroger les banquiers. Alors les banquiers, une map au-dessus. Toujours on passe à côté. Donc voilà, c'est un peu répétitif, mais vraiment, c'est une source de karma des fois qui peut être assez intéressante. Alors, lui, on se renseigne sur le duc de Sédimote. Écoutez la suite. Hop, on va voir Delcourvite qui spawn juste devant. Écoutez, laissez discuter, se rendre à la bibliothèque. Et on va aller voir Esling qui est à la bibliothèque tout à droite. On prendra les quêtes au fur et à mesure. Je ne vais pas toutes les prendre, sinon après ça risque d'être un peu brouillon. Donc là normalement il y a, hop, il y a un puits. Tac, on prend de l'eau. Et Esling, elle va être ici. On lui parle. On peut discuter. On se tourne vers l'étranger. Donc Rodrigo Alpa, il est là. Poser des questions sur ce qui l'emmène ici. Donc Colissimo, demandez d'où vient le livre, mais si, voilà. Donc voilà, on a fini la quête, ça tombe à l'eau, donc on est 252 karma et 10 000 points d'XP. Donc moi je vais couper la vidéo ici et on se retrouve un peu plus tard pour du coup la quête 6 pieds sous terre. Merci d'avoir regardé la vidéo, à plus tard, salut. We'll be right back.